Bonsoir, bonsoir, bonjour. C'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko sur l'interview de Christian Mwando sur Katumbi. Pour la loi Tchani, beaucoup yoka Christian Mwando Bandeko. Allo Bimabe! Ezaya Koyinda! Esie Yindi! Deuxième point, chers téléspectateurs. Et Yindi, après le départ de M23 de Kisheshe, les habitants racontent des massacres. Bokoyo kaba fausse commune et bimina Kisheshe. Bandegoza somme. Et puis affrontement RDF M23 Fardé, c'est les groupes armés Boyoka. Bazana bonka kosalantour ba Keiti. Et za somme. Alors, Bokoyo kaba on a troisième point. Troisième point, Bandekonangai. Et Yindi, Boyoka message de la jeunesse du Nord Kivu, na gouvernement. Balobia, Balba Yoka, Bapesi gouvernement kaka un mois. Menali Kolobato Balobi. Parce que Bokoyoka ma déclaration, mon koya Nord Kivu, de Kosala vino de déclaration vraiment troublante. Et ça somme, tous à la connecter, peut-être qu'on développe une émission à Bissou. Chers téléspectateurs, émission à Bissou Bandi, et comme étant tout cela ensemble, la situation politique à RDC. On va commencer cette émission Bandeko. Ndekato Lobaki, sur interview à Christian Mwando, Oazalaki ex-ministre du plan, et maintenant, a commis ensemble, a commis à quitter l'Union sacrée, a commis ensemble pour le changement de Bissou Stouyebi, et maintenant, il y a ça l'interview. Selon Yé, Bango Bazo jugeant directement sur Katumbi. Parce que Katumbi, d'après Bango, a sa candidat valable ou a tenir une élection en Nafati, donc Bango Kozala, son mot d'après. Alors, dans Azolo Bango, la conviction de Bango est que Katumbi a gagné l'élection. Yango a mis le loi Tchan. Nous sommes entre parenthèses selon Bango. Alors, à Ekosa l'interview, na Kinshasa, c'est parce qu'elle a expliqué Yango clairement pas ma Congolais. Que ma cambo nyonso balinga batia Katumbi bakal pour yé à sa candidat valable. Ah bon, donc yé pena ko gagne. Yeah. Ah, en tout cas, bat ensemble. Bon, basa déterminé tout ça la démocratie. Et puis à l'obi, sobo zolo ba de père et de mère, mais aïe belé de père et de mère, bobo sen bate belé, baluka be pengle moutimoko. Bah, citer les papas de Bimba. Bah, lui, papa Bimba, ça l'a ma belé, mais ça l'a qui des pères et des mères. Tolanda. Alors, si koyo, bah, so tanga ba combo d'après bang, bah, tanga les soins de comme ce soir, bah, lui, akoufa, pona, et des mais ça des pères et des mères. Donc, c'est le bang, bah, so ma loi wana. Et ça discriminatoire. Alors, loi, wana, d'après Bango, et tout ça. Mais c'est Christian Talana nous pété. Tu bois, tu as salué, tu n'es pas sacré. Place à Zali, soit qu'on y a quand même une mission, mais à Talana n'est pas un bon qui vous dit. Ce qui va au salon, c'est pour la Katumbiti. Il y a un tour, il y a un face à une mentalité. La loi Tchani est pour la moutonnions au hasard des pères et des mères à occuper ma poste moko yamakasi. Bon, la nage ma français l'émission et les qu'ils ont bien expliqué. Ma tangue m'autorité belle. Mais pourquoi ensemble pour les changer, bah, nous avons un problème personnel. C'est ça le problème autosan en émission. Pourquoi? Et ça m'a la mouté. Christian Mwando. Message oyo yé pona batu nyonso oyo baza de père et de mère te, ce n'est pas Katumbi seulement. Alors, to yo ka Christian Mwando, bon to avancer l'émission na biso.
Interview de Christian Mwando sur la loi Tchani, boyoka message na Yesi Katumbi. Au représentant de Moïse Katumbi pour l'espace Grand Katanga, ancien ministre, assure que son parti est la seule alternative qui reste pour faire face à l'insécurité, la pauvreté et qui y suivit. Vous savez que 2023, c'est nous. Il n'y a pas d'autre alternative. Nous devons sauver ce peuple. Moi-même, j'ai quitté le gouvernement parce que je vois que ça ne va pas. L'insécurité, le chômage, la pauvreté vont accélérer. Il faut changer les choses. Kalemie et les Tanganyika sont en première ligne pour cela, affirme les lits de Moba. De la proposition de la dite des pères et des mères, Christian Mwando dit redouter une guerre et si on ne met pas en place une politique de rejet d'une catégorie de Congolais. Il va ainsi procéder par une comparaison. Mais tout ça, c'est directement que Toboy Makambo, Toyo Kao, Bamili, Seo, Nakatanga, toi Toboy Makambo. Makambo Luachani, Ezateke Bena Makambo. Il a dit encore, pour rappel, Ensemble pour la République fustige la proposition de la loi dite Tchani qui qualifie de discriminatoire, portant en elle les germes de notre conflit en Ebdis. Conflit est causé à la tête à Katanga, tout ce qui est à Kambouana. Loi Tchani, et ça n'est pas là qu'il y a des Congolais. Alors, il faut que ce monde comprenne. Alors, sans plus tarder, Toyokai. Au représentant du président d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapwe dans le Grand Katanga, Christian Mwando plaide pour l'annulation pure et simple de la loi Tchani qui risque selon lui de provoquer le chaos dans le pays. Il s'entretient avec Paul Munanga. Monsieur Christian Mwando, bonjour. Bonjour. Quel est le message que vous avez apporté? Je suis venu pour mettre le parti Ensemble pour la République en ordre de bataille, parce que les élections se présentent bientôt. Il faut sélectionner les candidats, il faut consolider les structures du parti. Deuxième aspect, c'était envoyer un message d'espoir à la population, parce que nous sommes un parti démocrate, et dans ce parti où règne la démocratie, c'est d'abord les élections qui sont le grand enjeu. La population doit se préparer aux élections. Et troisième chose, les appeler à la résistance contre la discrimination raciale, la discrimination ethnique, la discrimination entre Congolais que veut amener la loi Tchani. Aujourd'hui, c'est au niveau national qu'on veut discriminer les gens, mais ça va se répercuter au niveau provincial, au niveau territorial et au niveau des collectivités. Quelle est cette discrimination d'après vous? La discrimination, c'est de dire qu'il faut être Congolais de père et de mère. Si on est Congolais de père et de mère au niveau national, il faudra être Congolais de père et de mère au niveau provincial, il faudra être Congolais de père et de mère au niveau territorial, il faudra être de père et de mère au niveau local. Et donc, ça va amener une forte division au niveau du pays. Et vous savez, vous êtes avec moi ici au Katanga, ce que disent les Katangais. Nous avons demandé solennellement au président de la République, qui est garant de l'unité nationale, de prendre ses responsabilités pour enlever ces choses-là. Prendre ses responsabilités dans quel sens? Prendre ses responsabilités en demandant au président de l'Assemblée nationale. Comme cette loi est une loi discriminatoire et anticonstitutionnelle, de ne pas mettre le peuple dans la discrétion avec ce débat-là. Vous savez que dans notre pays, nous avons souffert et que la Constitution est le fruit d'un compromis. Il fallait que tout le monde soit inclus et que seules les élections puissent déterminer les gagnants. On ne peut pas faire gagner les gens en excluant les autres, parce que les autres n'auront que le recours à la force, et ça sera la guerre dans ce pays. Mais cette loi-là, c'est un peu de sauvegarder la fonction des souverainetés qui est la présidence de la République. La fonction de souveraineté, selon la Constitution, est garantie aux Congolais d'origine. Un Congolais d'origine, c'est celui qui a un père ou une mère congolaise, c'est celui qui a une tribu qui est établie au Congo avant l'indépendance. Donc ces règles-là sont claires et ça garantit tout. Et aujourd'hui, il faut dire aussi, quel est le Congolais qui n'est pas de père et de mère qui a trahi la nation? Mais tous ceux qui trahissent la nation, nous les connaissons, mais ils sont tous Congolais de père et de mère. Donc cette loi n'a même pas de fondement sociologique. Quels sont les exemples que Tchani met sur la table ou ses commanditaires pour dire que voilà tel qui n'était pas Congolais de père et de mère, voilà tel autre qui n'était pas Congolais de père et de mère, qui a vendu le pays? Quels sont ces exemples-là? Aujourd'hui, la République est trahie par qui? Par les Congolais de père et de mère. Par contre, nous avons des Congolais qui ne sont pas de père et de mère, qui ont fait l'épreuve. Aujourd'hui, est-ce que Tchani a déjà fait ce que Moïse Katumbi, par exemple, a fait au Congo? Mamadou Ndala,
qui a versé son sang pour la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il était congolais de père et de mère? Bemba Saolona, qui a été le plus grand patron, qui a investi Sibé et tout ça. Est-ce qu'il était congolais de père et de mère? Pourquoi est-ce que c'est Ensemble qui s'acharne surtout sur cette loi-là, Ensemble pour la République, votre parti? C'est parce que cette loi n'a qu'un seul objectif, éliminer Moïse Katumbi, qui est le candidat d'Ensemble pour la République. Donc c'est Ensemble qui est principalement concerné parce que cette loi vise son candidat. C'est une loi qui va diviser la nation, qui va faire couler le sang, mais c'est une loi qui ne vise qu'une personne. Et ceux qui soutiennent cette loi doivent savoir que cette loi, ses conséquences, si jamais elle était même proposée au débat et au vote, ses conséquences ne vont pas s'arrêter aujourd'hui. Ses conséquences vont s'étendre sur tout l'avenir de notre nation. Quelles sont ses conséquences? Les conséquences, c'est la guerre civile. Parce que, comme je vous l'ai dit, pourquoi on va demander de père et de mère au niveau national? Pourquoi on ne va pas demander que le gouverneur soit de père et de mère, que les députés soient de père et de mère, que le chef de collectivité soit de père et de mère? Si vous trouvez que les gens qui ne sont pas de père et de mère sont des traîtres, allez le dire pendant la campagne électorale. C'est votre droit. Et que le peuple se décide. Monsieur Christian Mwando, je vous remercie. Merci à vous aussi. Alors, Bandeko, Tolandi, alobi la loi tchani eza discriminatoire. Ndeye to tangi, alobi eza kwe karte kategoria batu. Batu ni na journaliste, pourquoi bino bo bazo ya biba eza tali Katumbi? Alors que la loi neza pona ka Katumbi te, la loi neza pona ba Kongole nyonso. Pona ba situation oyu, eza ba situation ako saka anangote. Parce que toza na problème à l'es, si kaka makambo, soto saraki loi tchani, même à Kamba Eso Tunto Bunda Nango Bouiti. Alors, la loi Tchani, Christian Mwando, Ezaka Kateki Katumbi. Donc, on comprend. Et puis, de l'autre côté, Ozolo Bake, Katumbi Aza Kandida Moko, Bande Poma Kamsa, le Bukravo Bakomia, donc on comprend que, est-ce que vraiment, Yaza Kandida Yamakase Kaka Yena RDC? Donc, loi Tchani, Zobi Makapo, Katumbi Aza Makasa Kou Gagne élection. Et c'est vrai ça. Si arrivé que va pousser loin l'année prochaine, par exemple, donnons un exemple. Katumbi soit comme ma président. Non. Aïe ba été, ezali vote. Mais il y a déjà au monde que Katumbi mutako gagne. Je ne sais pas. C'est par quelle méthode. Parce que son tel cas union sacrée ne va sali charte na bango. Nous sommes un concurrent, mais il y a le grand concurrent, et Zanani, Moïse Katumbi. Alors, tout ça, la démocratie, mais quand vous avez un lobby, vous avez besoin d'un message. Bandeko, la loi Tchani, et Zalite, Kapona, groupe Abatu. Vous avez tout le monde, parce qu'on a Congolais, tout le Vatican. La loi Tchani, et Zapo Moka Oyo, ben filtré, bah, qu'elle soit au sommet de l'État. Ben filtré, bah, dirigé sur Moka, t'es bah, lui, 250 postes. Va qu'on change hein. Alors, to landi Christian Mwando. Ndeka to lobaki to za la démocratie. On y a lobby, ya mabé comment? Donc, c'est comme ça. Alors, ensemble pour na bango, va monéter loi tchan des obare candidat na bango bima président de la République. Alors, to tika ngona bino, to komo kenena deuxième point. Chers téléspectateurs, to kabola ngandu. To ko loba d'abord sur ba fausse commune où ba découvrir beaucoup yoka ba français ba ko reporter en haut oyo bande kweza mawa hein qui cherche kaka l'air 123 qui a quitté qui cherche ba yoka expliquer ndema solango ezalaki mais tant ko yoka ko sala yo pasi nde ko nangai ba 123 ou bako sala, ba yiba yamo. Bandeko, et ça somme. Alors, mais avant tout, y'a la fausse commune, ton ton loba, 1-23, a zo quitté ma territoire, a quitté qui cherchait, mais destination la bango baza kote a Kibumba. A Kibumba bazo stocké, bazo renforcé. Je ne sais pas. Destination na bango ezanini. Ezaki bakende mosavinyo. Qu'est-ce que l'on y bazo sala na
kibumba. Et banindini. Bo tout défense ba beta ki masasi. Et komati kote ya armée kenyane. Armée kenyane ba jouer masasi wana ba salinyonso. Do ezaki somo na kibumba. Ba village ya pembe na kibumba wana bango baza wana. Auto défense ba biso pe tozali awa bitumbe salamaki. Fa desse a ke ko calmer ko retirer me ba jeune bon. Ba me ba ona ki voit à peu près 59. Oyo to défense habitait au bundana bangoti. Biso to luka solution. Ba kambo esi. Ba ju ba jeune wana nyoso ba bemi bango. Donc ba yebi fa desse a yebi place 123 ali. Oh tu bazo sala na comprendre ke ba konzi ba yebi. Mais faire de ce côté pas la lipongi te bazo bongama. Alors, tant ou ba kite ki cheche pour tozo ya na ba fausse commune, pour eza somo tozo ya na pon. Tant ou ba kite ki cheche, ba ye kote wana ba koutan na ba chen wana auto défense bi tombe bandi wana après ali. Ba kesu ko attaque position ya faire de ce. Faire de ce a beaucoup réagir ko beta ba mobiloko. Pour bakoma iba za troublé, c'est fini. Bakon ko kite. Siko ba lingi neni po ba kite bitumbe sala ma grave na farde se kota kibumba. Farde se pe calme. Le koles ba beti ka bilo ka po na ko provoquer et lo monte pe salami ba beti kaka attaquer position farde sa bo répliquer ba on pe batik. Vous comprendre? Do ba ebi kote bazali. Ba du ba jeune on a à peu près 59 ba même ba bayena. Mais le problème qui est là. Ba kite ki cheche. Population a eko expliquer ba massacre nyoso. Ça me fait mal même de décrire ça en face na bino. On a appelé tous les jeunes masculins. Ba jeune nyonso, ba garçon, des jeunes papa, ba vieté, mais ba jeune papa. Ba bandina na ba jeune papa nyonso, ba jeune garçon nyonso, ba tse bango autour d'un grand trou, ba si ba tse liboulou, ba yena bango kota liboulou wana. Ba si bango ki bino boza, ba autodéfense, ba maïmaï, tozo bon ma bino nyonso. Ba bani ko abattre ba mbazo kwesa mbazo bona boko yo ka toko tiela mino x-ray eza grave ba abattre ba mbazo ki bona kateli bo et puis ba kele sou de maison a maison me to tanga to mi ako comprendre makamba on po eza somo to ba nan na se wana apre to kena li kolo na fos komi. Affrontement RDF M23 FARDC groupes armés Boyuk. Nord Kivu Sokola 2 a donné des instructions fermes. Nos troupes sont descendues sur place et nous avons mis la main sur 59 jeunes. En coin là, il avait avec eux 4 armes A-47 ainsi que des machettes et des lances, a ajouté le porte-parole du militaire. Selon la société civile, il s'agit plutôt d'une énième provocation des rebelles du M23 qui ont attaqué des positions de FARDC. Contrairement à l'armée, la société civile parle du renforcement en hommes et munitions des rebelles du M23 dans la région de Kibumba. Et à ce bazotala, ndenge bango bazo yana ba arme, bongo suko soki ba autochtone ba jeune oyo, ba beti ba masasi et comme problème. Il y a eu des attaques par la coalition RDF M23 contre les positions des forces armées vers les trois antennes sur l'As Kamanyo. Heureusement, l'armée n'a cédé à ces actes de provocation. À notre niveau, nous pensons que le M23 veut bloquer l'application des résolutions contenues dans les communiqués signés et à Nairobi et en Angola. La nuit de mardi à mercredi, le M23 a attaqué des positions de FARDC dans les parcs de Virunga. Même aujourd'hui, ils viennent de renforcer les positions vers Kasizi, Kabuanga, Nyundo et Kangarami. Pour sa part, indique Mambo Kawaya, président de la société civile. Sikoyo,
Tant que tu as un oyo, bande koto lo banano, oyo, avant que tu aies une fausse commune, pour que tu aies un mouboulou, et ça, c'est mon akishishi. Alors, si tu as un athée qui bat oyo, ils n'ont pas quitté. Ils sont aux alentours. Parce que, bah, attaquer pour se faire de ces phares de ça, ça y est calme. Bah, je n'ai pas un peu autochtone. Bah, on va répliquer, bêta qui m'a ça, c'est que tu es côté et assez basal. Alors, si tu as un peu de temps, tu as un peu de temps, clairement, bah, de quoi, bah, tu as un peu de temps, bah, ça, bah, mais, phares de ça, ça qui est sage, non. Parce que ça va attaquer, ça va provoquer, ça va. Ce qui fait des ça répliquer, les bambindu qui a macassé bana kobeta. Mais le col est sale, on monte monter le coup. Faire des ça a géré en gros très bien. Alors bangomo va monique oh faire des ça répliquer t. Ce que tu vois sale n'engue nini. Bandeko un 23 hasard disparu dans la nature. Mais bon autochtone bah tu vas être reversé place basa. Donc faire des ça a yébi côté bango basali. Donc, si tu as un makambu examiné, si tu as bien makambu oyo, au moins clairement été bateau yo baza dans la nature. Donc, baza na bango. Hein? Alors, EAC sur place de bozo mona EAC, a yebi nepe ke baza wana, me basali e loko nini. Yango makambu tozo loba, ke batu oyo, il y a EAC, en tout cas, bah, un problème sérieux, na, bah, bande qu'on a bisou. Parce que, bango ba yebi, et puis, so, tangi ma commis a très bien, au commun a clairement été battu, oyo, vraiment, baza ma b, baza na man quelque part. Il y a eu des échanges de tirs au niveau de Muyondo, dans le groupement de Kibumba, une défensive occupée autrefois par les 1-23, et par rapport au processus en cours, c'est là qu'il y a eu échange de tirs avec la jeunesse appelée communément les Wazelendu, habitant les milliers de ces milliers. Ces affrontements qui n'ont aucun lien avec les FARDC. Donc, bah, ça, l'affrontement, monsieur, côté, monsieur, pas Bazalaki, qu'on a, n'a pas gêne, oyo. Côté, on va attaquer FARDC, côté, on va attaquer, bah, gêne, oyo. Yangwana FARDC à l'oubiqué. Attaque na bango wana ezana rapporté na biso FARDC botala makambu ndenge ezali allo sikoyo tokende na kishishi ba français ba rapporté to qu'est-ce qu'on a le kolo wana ba français ba rapporté yango ndenge nini batu oyo ba bomaki ba congolais bande koza somo yango wana ba konzi. Bah, pese rapport mbalamon à ces pays, bah, yé, bah, qui parce que, bandeko, boko yo, qu'est-ce que tu côté la bino, comment ils ont tué qui cherche, bah, mi bali nyonso, parce que les kabon bah, quitté, bah, reversé bah. Alors, to tanga, po, to tanga na likolouana, to avance, parce que, eza som. A qui cherche, après le départ du 1-23, des habitants rencontrent des massacres. Le 29 novembre 2022, où il est kaka, les rebelles du 1-23 du 23 mars ont tué plus de 170 personnes. Selon l'ONU, dans ce village du Nord Kivu, ils leur ont dit de s'asseoir au bord du trou. Et ils ont commencé à les abattre. Du massacre de l'église d'Aventus de Kishéché, Michel Atouvi, terrorisé, enfermé dans les toilettes extérieures. Il priait pour que les rebelles du 1-23 ne les découvrent pas. On se bat dans la toilette église. C'est le 29 novembre 2022 dans ce village, de quelques milliers d'âmes perdues au milieu des collines du Nord Kivu, plus de 170 civils ont été tués par les 1-23 selon l'ONU. Ce 29 novembre, les rebelles se lancent dans une chasse à l'homme. Ils fouillent les maisons et abattent tous les individus masculins qu'ils trouvent. Ni les forces de sécurité congolaises, ni les casques bleus des Nations Unies se sont intervenus. Bah, eko bon, bah, jeune, wana na liboulou, bah, si pibon, na liboulou, bah, fausse commune, ne bozo mona batumi balé kuna, bah, fausse commune, batu, bah, kundi kundi bango. Donc, batu oyo, et assez, bah, yebi, place, batu basali. Voilà, dossier, niveau commis,
Donc, un 23, ba yebi na bango, eti, ndenge makambo ezali, eza ndenge wana. Voilà, makambo ango. Alo, bandeko, obalo ba yere grave, obalo ba ka e indi. Voilà la solution. Alo, bandeko, ba boma ki batu, na katia fausse commune, eza mawato, et puis, et assez ba eko réagir na ba jeune oyo nde ba beta ki masasi et assez ba réagir. Alors voilà, calme et kotaki après échange de tir na fardese puis na ba groupe armé. Alors sans plus tarder to yo kande ba boma ki ba tuna ki cheche bon auto avancer na mission na biso. Le 29 novembre 2022, les rebelles du M23 descendent sur le village de Kishiché dans le Nord Kivu à la recherche de miliciens locaux. C'est le début d'une véritable chasse à l'homme dont peu ressortiront vivants. Plus de 4 mois après le massacre, certains ont accepté de raconter l'horreur dont ils ont été témoins. Ils ont rassemblé tous les hommes et les ont accusés d'être des miliciens qui les avaient attaqués. Ils leur ont dit « Asseyez-vous ici et mettez-vous en cercle autour du trou. » Et ils ont commencé à les abattre, un par un. Presque tous les hommes du village sont exécutés. Les survivants sont forcés de creuser des fosses communes et d'y enterrer les morts. Débutent alors plusieurs mois d'occupation, dont Kishiché porte encore les séquelles. Entre deux tranchées ou positions fortifiées par les insurgés, les routes qui entourent le village sont jonchées d'ossements et de cadavres. Bandeko to landi bisonyos. Ba bengi bango. Bo vanda tout autour à liboulou oyu. Ba bomi 170 personnes. Ba jeunes garçons. Les masques, les ba kombeta de porte à porte chasse à l'homme. Nde ba français ba bengi bolandi wana chasse à l'homme ba bani ko boma boma ba botala soto tala biloko apo ba to musu ba so ya ko contredire la loi tchani. Ce sont les Rwandais qui nous tuent na makambo oyu et sa makambo moko donc ba bandeko tala leur est grave donc ba tu oyu ba zana bango. Batiki qui cherche mais bazo salantou. Alors le kona bazo salantou, matche za mobulu. Alors toye ba ete ba kiti. Far de sa y place baza. Ba mega ki far de se la nuit c'était hier, ba mego beta far de sa zone site. Far de sa y ki ma soule ba niko silana. Qu'il dégage. Ben instruction zali. Ngala zo monaki, ma kambo ko suka bon. Bato baza dans la nature, le quoi te place baza. Même bango moko est assez. Et a comme l'air mort, ba mona moaiti. Parce que ma sa se koubeta ma. Guerre ko zara pona ko déloge bato. Ba Congolais to telema. Macho yo eza ma kasi. Bison si ma far de se bende le koyati. Bo landi. Exil wana, ndenge nini bato basali makambu kouy. Bande gozo sala pasi. Ko terrorise bato tina marque wana. Ozomona ezamao. Alors, voilà les dossiers. Oba le bakese yindi. Alors, bandeko, tozo esa ba Congolais nyonso. Eti, ba, bo pesa ba commenter. Ba commenter pere makasi. Tango bo pesa ba commenter, pona farde se ba bongama. Ba bongama bitumbe kozala. Mena ebi ki bazo se prepare en conséquence pochi. Mais makambu oyo esa somo bolandi wana ba nde ba boma ki bande kona biso et bato ba ok ce pays passe dossier di esa kuna et maintenant ba français nde ba reporter ngoto landi esa ma wa bande ko voilà un 23 le ka ba kite ki cheche ba ta ki cheche ba iko raconter masolo botala le grand dossier. Et ça somme. Donc, nabo ba côté la kabango, président Rwanda, comme il a problème. Pour ce que ba français ba zo reporter. Ce que le président Rwanda lui a sonné. Que ba zo kosa ba massacre. Peuple a zo loba na kishishi.
yango tina M23 ngako kite ki chechete. Et puis ba force commune pe mona nina. Parce ba yebi place ba za oboma bango. Ba timula dia libulu. Peuple a yebi libulu ngoba ke ko laksa ta la place ba za oboma, ta place ba kunda ki yango yango. Ba obimisa bibi mbabatu. Bolandwa na ba mususu o ba batamaki tant M23 ke ba bani ko kunda ka bibembe na bango. L'air est grave. Voilà comment Ndeba Bouma Batuna Kishishi. Tu comment tika wana bino? Tu comment kende na? Troisième point. Oye yindi. Eza somme. Banamboka. Ba jen nyon sur la Nord Kivu. Ba yeko kuta nana ba konzi. Ba yebe si bango. Ki en tout cas dans un mois. Bisoto kusala mobulu. Pour selon ma solo, un mois ma cambo tu es aussi. Tu essaies bien que dans le mois de mai, bateau il faut il passe ni na moi c'est si là qui. Donc c'est à dire des bazarana et assez baoké. Bandeko, il faut te comprendre ba jeune oui. Beaucoup yo kabango te kotier la bino bango. Bango baye kolo baku. Au moins on va pina mboka na bisu. Batu ba vandi plasmo bazolo bango bazawana far de sazati. Quelles que soient les explications, ne bien que le gouvernement explique bango. Pour bango ba pesi gouvernement un mois. De sorte on comprend dans un mois far de se fazar ba plaswa. Sorte on comprend. Parce que bango le basisi masolo na gouvernement ba yebisi bango. Ne bien expliquer bango wana au gouvernement yebisi bango toyo kiti. Mais tu yo ki ne ba jeune onde ba zolo ba lobi on biso to sengi boy to monana ba place nyonso na kibumba rumangabo kichanga bunagana ba kote wana nyonso place esa azali far de sa salon ezaya kuinda esi yindi pourquoi peuple zolo ba bongo le peuple a raison esa mboka na biso. Alors, peuple a tomboki a pesi gouvernement un mois. Ce qui n'a pas compris, n'a pas sonné bango. Gouvernement boye c'est bon non. Dans un mois, vous allez calme, vous allez voir. Donc, tout boule déjà. Mais tout yon kaba jen, oyo, pour matcher ça mon boulot, bon, on te explique. Bon, yon ka message de la jeunesse du Nord qui vous offre des ceci et ceci. C'est-à-dire, Uganda, Azana Bunagana kiwanja axe wana nyoso aruchu. Et puis de l'autre côté, Burundi, Azali, na kichanga bakote wana nyoso. Et puis, Sudan du Sud, na Kenya, bazali na Rumangabo, na Kibumba, et puis bakosa na Batongo, na Bamboka wana. Donc, Bamboko M23 bazalaki, bamba kende wana. Bajen balobi, nde bozo ma kote gauche farde se kote droite ba EAS. Ba lobi na ba kondi. Donc, soto comprendi directement na Jean-Pierre Bemba. Ke bi soto sengi dans un mois. So ki to moni farde se na ba place wanate o bango bazali. Place armée kenyan baza, Soudan baza, Burundi baza, bi soto ko bete, toko tiamo boulou. O ba lubaka mboutou mboutou. Sans plus tarder, to yo ka ba jen oyu. Neni ba bayebisi gouvernement donc ezalo kola ultimatum après ma solo. Toyoka bongo to avancer na mission na biso. Wuta engumba goma kino mwenyele mobimba ituke Nord Kivu bomati bwa bozangi bokingi bozali se kokoba atako ituka eye ekomye vandelo ya mapinga mabikolo bya Afrika ya Est EAC natina buluki kimya nakotali kamolie masanga mabomwana mboka na mai machaka mbula matari panzi likolo lelo na bokuta ni bwa bango na bapanzi sango masengi penza na mbula matari ya ikolo kongo demokratiki kosukisa bozangi kimya boye boyikani bilingi baye babwaki mbela na bakondi ete balimbo na baimbo ka tena nini mapinga maliboki la bikolo bia EAC makokite ko sala musala elongona ba FARDC mapinga maikolo Kongo demokratiki na tena ko kengela bisika basima manduki bazali kolongwa toka moko na ba masanga mabomwana mboka Jacques Sinzaera ndenge mboka na biso ekomi champ de bataille to evite ba soudané ba ye ba ugandé baza yango to lobi ete ke situation sécuritaire ekobi ezaka ka mabe eza très précaire yango ke ba ADF bazo continuer ko buma na Beni Lubero Nyiragongo Rutshuru ba
territoire nyoso eza na kati ya insécurité gouvernement esala nyoso ebisa biso makambo oyo basoda oyo auti Uganda Kenya Burundi baye pour combien de temps bakosala mikolo boni et puis espoir ya paix eza mukolonini gouvernement ebisa biso bato wana esika M23 babimi tozo senga ete ke population na FRDC ezonga na kati ya ba territoire wana koma ba militaire bazo konza province mais 30% ya province nde bazo konza 70% ezana kati ya maboko ya ba rebelle tosenga pe deployment FRDC na ba zone oyo ba M23 batiki na maboko ya EAC bozo ni melasu EACT tozo ni mela EACT parce que EAC baza ba complice tolo ba ke gouvernement e prendre ba mesure ya ko arrêter oyo projet EAC baza nango pour mettre en péril notre pays. Ilenge ba masanga mabuma na mboka ba pesi na mbula matari ya ekolo kongoli bokatiki sanza moko mpwe de kimia emonana mpe mituna mia bango mia nolama sokite bakosa milumi ya makasi na monyele mobimba etuka Nord Kivu. Ça chauffe déjà. Ba chen na biso baza na raison. Na za sima na bino. Me ba konji pe baza na ba plan. Toye ba pe yango. Me le quoi bolobi un mois pour vendre kimia. L'aime soit avant un mois, ma solo est silina. Toye ba. Alors, M23 ba kiteti. M23 ba sana ba ona kibumba kote wana. Alors, qu'est-ce qui va se passer? M23 ba kaboli bango pe na ba groupe na bon armée rwandaise, aji armée ne mu Rwanda kaboli bango ndamu na bazamba. Soto o comprendre pourquoi bako kutana boktoton na deuxième pobo landi na bazamba bitumba do ba panzani na bango partout parce que bango baloba kibou ba territoire to kite sur FARDC akewana bitumba ba jeune balobi FARDC akende wana ezaya kuinda esi yindi soto o comprendre FARDC kukendi dans un mois ba place wana. Et puis, on a place à déclaration de la guerre. Et puis, bah, il y a toujours si la nana bango, une fois pour tous. Bah, bouki ba mi beko tout. Y'a un tina moni ba kene ko djo ba jeune, wana ba tiang bouluti. O yoto défense. Bah, djou ba on yon so ba mi ba on a goma. Botika ba on ba zana zamba wana ki bomba. Botika ba on ba, ba luka ba kene nene a savignon. Me ba kete. Alors, soto otala makambo zo mona pena ke match eza mobulu. Me biso tozo gagner match. Bana mboka. Bitumba o toza nango na est. Ba kongole to fungula miso. Mutu mota e kokosa biso. Ba jeune wana ba yebi. Pourquoi ba lobi un mois de to landi wana. Pona bango. Ils ont ça la propriété, FARDC a sa place bon bazati. Et puis gouvernement pa yebi na ke peuple azo sepela bongoti. Maintenant, so no comprend parce que mandat est à cet aba konji ba mayele. Bande ba goma sozo la démission ba konji ba za mayele. Ba nde bazawana accord na bongo sila ki depuis mois de février. Ba renouveler yangoti, ils sont là par consent. Donc, quand accord, voilà, Bozalawana, en attendant. Mais accord est sorti. On va signer que ceci là qui est en février. Bah, on négocie, on va passer seulement 3 mois, mais n'évitez pas ce qu'on signe. N'a ma camion, on a zoom, on a boué. Et on signe, bah, dit. Donc, des bas, on le connaît, ceci là qui, bah, qu'il n'a pas mon caca. Ce qui est bango, bah, qu'il faut de ça remplacer, bah, la mot, place, bitoumbe, koubanda. Tout le monde, le camion, très important. Mais tout le monde a des accords de la Congolais va comprendre. Ba force à EAC ou ba yaki wana, biso zaki na maki. Et c'est toujours comprendre. Biso zaki na maki. Mais n'est-ce que maki pe ceci la ki na mou. Mais n'est-ce qu'un détail. Ba lui paraît-il. Et ça encore ba une année, 6 mois, 7 mois, ma kamoutou est si li na mou. Et puis n'est-ce que ba zaki après. Soki bat oya EAC
ndenge bazawana mandala boye silinde baomba kobendana parce que bazara koron soute et puis mena ba on peut ba komi na problème parce que armée rwandaise M23 babuki mibe ko tout baboke savignon bazoyenga yenga na baonga na kata bazamba ba kompe ba groupe ba groupe armé système basali ya koyenga yenga partout na ba moko ba baza. Je donne un exemple à Bunagana baza quelque part na kata zamba akisheshe baza na zamba kichanga baza na zamba rumangabo baza na zamba kibumba baza ya kibumba bayo kanga baona ba jeune autochtone ba beta ni masasi fardé sa ya lui do bot bunda na bangote to lukarezo do bazana bango quelque part. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Parachute mba mo fardé sa na bazon wana bayat bo ba drone soke panzi bangote bo ba chengdu eko zala en vigueur passe bitumbe zongi mo beso en fraîche pour baza ona mte se bino ba ko kite te baza na kata bazamba wana esa yebina esa pa komi na problème zo banga parce que esa yeba ikaki ba pesi bango yango baza na makamu na bango ya sisi ba yebuka ke bango ba kene mo savio mais peuple a lobi bou ba tuni mo ke sur bosan sur la confiance esa te ba lobi te esa gala M23 ba jeune ba boyi. Donc, bazana bango zalantou. Et ça un dossier mounene van likola mesa na bango. Mais ma kamonto yelaki. Si ko M23 pa revese bango. Parce que babona bango kene mon savigno. Armée angola pe alobi yako ya. Po ata la retre na bango. Mais mena du confirmation ke ba kena bango koututi. Et ko souka ndenge ni. Pourquoi ba konzi déjà ba source makambu ya yazibambu ba sadek tout ça pourquoi parce que ba yebi ke toujours souka na bitumba bwane za pena EDC na Rwanda souka na geil ils sont là dispersés na katazamba tolandi pourquoi boli babi et à cette heure confesse on te ba jeune jeune en or. Ces jeunes ont raison. Bah, Pessi, gouvernement, un mot, il a qu'à réagir. Bah, mon a bango, place wana. Ezala, ESA a quitté, mais bah, mon a fait des sénats bango. Eza y a qu'à yinda, ESI et yindi, bon, c'est comme match à un soukandé. Ils sont dispersés dans la nature. Destination inconnue. Mais bazana bam. Bon, autochtone ba y place baza. Farde se pa y place baza. Nde baza wana. Kaka place ba batami na zamba wana. Bako sila na peka wana. Mais ma kambo za minen. Oh, kaka complexe dossier ou. Batu ba lwena bon ki baki ndi bwe. Bon baki kunati baki kote mousousou. Ils ont parti même à l'est. Loin de mon savino. Moi savino. Donc, on ne connaît pas le bac et le connaît la change. Mais bac était. Bazo yenga yenga. Bazo se prépare à armer équipement à Kibumba. Parce que Kibumba est un nom loin de Goma. Voilà de ma kawango kosuka. Mais bah yéba et bah ojo à l'échec. Toga et Mathieu. Alors, bah j'en a Goma. Ndebo lobi emwa biso ebite ndebo soli na bakonzi na Goma lelo. To ebite suze ye ndebo solaki. Me, eloko za clair za ku. Manda EAC isi sila kinangu. Olinga, olinga te, basa kokende. Fade sa koramplase bamu. Wana place, bitumba eko banda. Rwanda, ba planyo so basala ki ebibi. Ekoti mai. Alors, bande konangai. To komi na fin mission. Bo continue ko s'abonner massivement. Bo partager. Au revoir. À la prochaine.